La salle de commande est le cerveau de l'installation. On pourrait aussi parler de cockpit. Les pilotes sont ici les 8 à 10 spécialistes de l'équipe de car qui contrôlent et commandent la centrale. Tous les principaux paramètres y sont enregistrés, signalés, suivis attentivement et évalués. Les aptitudes des spécialistes qui travaillent ici ont été minutieusement testées. Ils ont suivi un programme de formation extrêmement complexe et ont accompli des stages pratiques sur simulateur. Ils disposent de longues années d'expérience au niveau de l'installation et en connaissent toutes les particularités. Ingénieurs de piquet, chefs de car et opérateurs sont contrôlés par l'autorité de surveillance qui leur accorde la licence. Formation et cours de perfectionnement réguliers, entraînement sur simulateur et mise à niveau du savoir font partie du profil exigé. La licence accordée doit être renouvelée tous les 2 ans au moins. Vous aimeriez un jour observer ces spécialistes au travail? Aucun problème. Un bref arrêt dans la salle de commande fait partie des visites guidées proposées par toutes les centrales nucléaires suisses.